présenté en 2012 à Drawing Room, pardon. Et il revient aujourd'hui, maintenant il vit à Rotterdam, en Hollande, et c'est un jeune artiste, je crois, assez vivace, qui justement va nous parler d'une espèce d'hybridation entre ce qu'on peut appeler le règne végétal, la sculpture, le dessin, l'industrie, la mécanique, voilà. En fait, c'est vrai que quand tu m'as invité il y a déjà 5 ans, ma pratique, en fait, elle était vraiment basée essentiellement autour du dessin. Et en fait, il se trouve qu'après, j'ai un peu bifurqué et que mon travail, c'est devenu essentiellement des sculptures, en fait. Et du coup, ton invitation, plus récemment, pour le salon du dessin à la Parnassé, ça m'a donné impulsion, en fait, pour me remettre dans ce médium dans lequel j'ai cherché pendant pas mal d'années, mais dans lequel, finalement, j'ai fini aussi par faire des connexions avec la sculpture. Et du coup, pour moi, c'était vraiment une occasion intéressante. Donc, en fait, ces dessins, je les ai faits pendant cet été, en assez grande hâte, à vrai dire. J'en ai fait beaucoup, j'ai beaucoup produit, et en fait, ce qui m'intéressait, c'était un rapport assez sculptural et un rapport assez matiériste. Qui fasse vraiment un lien avec mes préoccupations que je peux avoir dans la sculpture en général.